Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo format vlog, voilà. Je suis désolée, il y a du bruit autour parce qu'en fait il y a le sèche-cheveux qui est en fonctionnement, on va dire, à l'intérieur de ma maison. Sachant que là je suis dans ma chambre, mais comme j'ai plus de porte vu qu'on est en travaux, et dehors il y a quelqu'un qui fait les pelouses ou je sais pas trop quoi. Je suis désolée du bruit. Aujourd'hui je vous emmène pour un nouveau vlog et je vous emmène à l'hippodrome. Parce que bah, j'y suis jamais allée et du coup aujourd'hui je vais aller à l'hippodrome. Donc je vais pas à un hippodrome qui est proche de chez moi, je vais à un hippodrome qui est à 1h30 de chez moi je crois. Je crois que ça s'appelle l'hippodrome d'Anguin, je suis pas sûre du tout, mais je crois que c'est ça. Donc c'est parti. Et aussi juste avant de partir pour le vlog, je voulais préciser, enfin je voulais faire un petit disclaimer comme les youtubeuses beauté. Je voudrais vous dire que j'ai un avis totalement neutre par rapport aux hippodromes parce que je peux pas donner mon avis sur quelque chose que je ne connais pas. Voilà voilà. Et je vais vous montrer aussi ma chambre parce que je crois que vous l'avez jamais vue en entière. Mais là elle est vide. Donc là je suis sur ma terrasse parce que j'ai la chance d'avoir un petit balcon. Et donc voici ma chambre vide. Donc je vais pas montrer la porte là-bas. Mais en gros, voici ma chambre, à quoi elle ressemble. Et donc là où je tournais mes vidéos, c'est ici, voilà. Et comme vous voyez, il n'y a plus de meubles. Là, ce sera mon dressing, enfin c'est une partie de mon dressing. Mais voilà, il n'y a plus rien, donc c'est pour ça que je ne peux plus filmer de vidéos. Puis comme vous pouvez le remarquer, eh bien ça résonne. Donc, re tout le monde, alors là on vient d'arriver à Anguin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Anguin, c'est près de Soisy, je crois. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Bref, là on est garé sur le parking de l'hippodrome et on est passé devant l'hippodrome. J'ai trop hâte d'y être. Je suis trop contente, donc c'est parti.